call me a god. You call me a god. Les gars, c'est le vlog. Les gars, c'est beau, c'est Kiki, c'est Coco. Les gars, c'est le vlog. Petite, les gars. On est bien. Là. Voilà. Il y a un système indien. Oh, tonton, tu t'es rajouté quoi là? Un sorbet, fraise, framboise, café. T'as pas le temps. Non, je me lève pas le matin. Hein, pas le temps. Je me lève le matin, ouais, il y a Diane qui vient. Deux minutes plus tard, en plus, il se barre. Il s'est déjà barré. Bon, là, on fait une petite pause, on est mercredi, il y a les enfants. On a fait les jambes hier. On a eu les jambes mortes pendant l'entraînement, mais ça va. Voilà, là, on va recevoir un petit peu de protéines pour les jambes, pour que ça aille mieux, pour préparer l'été. Parce qu'il va falloir choper de l'altitude, suivre le programme à fond, sauter plus haut. C'est bon? Je vais tester. Ouais, j'avais peur que ça soit un peu trop acide, mais ça va. Non, j'aime bien, c'est goûtu. Tout simplement, on joue contre Dadol. On joue contre Dadol, il reste que 3 matchs. Après Dadol, il restera plus que 2. Et ouais, le calcul, chef, il est plutôt intéressant. Bon, où on en est? On est premier. Si on perd Dadol, on monte pas. Si on gagne Dadol, on a des grandes chances. On a plus de grandes chances, voilà. Voilà comment ça... Voilà. Là, par contre, c'est embêtant. Il y a un gros problème, c'est que ma cheville, vous savez, on l'a tordue souvent, je ne l'ai pas retordue. Alors déjà, ça, c'est bien. C'est cool, parce qu'on a changé de chaussures et tout aussi. On a fait du renfo, et puis on a fait de la mobilité, étirement, renfo. On a pallié tout ça, et ça aide beaucoup. Par contre, j'ai un truc qui est coincé dans la cheville. Je ne sais pas ce que c'est. J'espère quand, je sais pas, ça grince. Donc, en fait, quand je tords un peu ma cheville, il y a un truc qui je sais pas, c'est bizarre. Alors j'espère que ça va partir, c'est venu lors de l'entraînement de jeudi, j'espère que ça va partir et il y a intérêt. Donc on va voir comment ça va pouvoir se passer. Là, on va tout simplement, du coup, entamer la journée. La journée, comment elle va se présenter? Là, je dois aller chercher des clés pour la salle, parce qu'on a changé de porte, donc ça, c'est trop cool. Ouais, parce que c'était une ancienne porte, elle n'était pas toute top, et puis tout le monde pouvait rentrer, donc là, c'est bien. Derrière, je vais arbitrer l'équipe U13, voilà, et ça va être vraiment cool. Donc voilà, on va aller voir, je vais arbitrer un petit peu, et puis je vais essayer de boire de l'eau en même temps pour avoir mon hydratation qu'il faut correctement. Et puis voilà, on va voir si on fait des étirements après ça, et puis bien manger, et puis voilà, et après on se retient au courant. Hein, je vais pas tout déballer non plus là, t'as capté? Et la cheville, on va essayer d'aller libérer les tensions aussi de la cheville que je peux avoir grâce à un élastique, on va essayer de libérer ça. Et puis si jamais ça va pas, je vais appeler Akilé là au dernier moment pour que j'aie de l'aide. Voilà. En tout cas les frérots, on se rejoint tout de suite dehors. La cheville, c'est pas un total plaisir cette cheville. Voilà, je suis dans la voiture. Et j'ai oublié de prendre mon sifflet. Parce que si je prends celui du club où tout le monde a mis sa bouche, demain, les gars, j'ai la gastro. J'oublierai ma tête. Mon sifflet. Tiens, regarde. Voilà, sifflet dans la chapeau. Là, let's go. Là, j'ai le sifflet, j'ai tout. On va tout simplement aller chercher les clés, par contre. Après, je pense que je vais passer, les gars, j'ai une idée. Je vais aller à la boulangerie. Pourquoi? Bah parce que quand t'arrives, au moins, petite boulangerie, petit pain au chocolat, petit thé à partager avec mon gars Antoine, voilà, qui finit son BPJEPS. Donc, voilà, comme, on se fait plaisir. Donc là, en route pour aller chercher les petites clés. Let's go. Ce soir, en tout cas, je mets pas ces chaussures, là. Là, j'en mets d'autres. Avec une plaque en titane au milieu, une truc air. Donc là, c'est bien. Donc en fait, j'aime bien, là, je raconte un peu ma vie, mais j'ai des chaussures pour... J'aime bien shooter avec certaines chaussures, et puis j'aime bien jouer avec d'autres chaussures, et puis ouais, bref. Voilà. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, vous jouez avec quelle paire de chaussures? C'est intéressant de savoir. Hop, 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 les gars, il fait 15 degrés, il pleut, il brume, c'est la soirée grenouille, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, il brume et tout, mais il fait chaud dehors. Je te jure que les gars, là, si tu veux te mettre en maillot de bain, tu peux, là. Bikini, photo, tout ce que tu veux. Quand tu regardes le temps, Pauline, je sais pas si tu vois, mais... Let's go, on va chercher ces petites clés-là.
Vous allez voir ces designs. Les clés sont stylées. Voilà ça les gars. Elles sont belles. Là c'est porteur. Acier non acier oxydable. Tonton. Changement. 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 On va le mettre là. Et ben voilà, 10 kilos le trousseau de clé. Tu mets ça avec un jean sans ceinture, t'as le foot qui te descend en bas des genoux. On va l'arrêter, fesses plombier. Allez. Par contre, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, mes petits loulous, normalement, j'ai l'école de mini-basket et puis du coup, je les vois pas. Donc, je pense que la prochaine fois, on va avancer l'entraînement des petits. Parce qu'en fait, oui, pour t'expliquer pourquoi il n'y a pas entraînement des petits, parce que du coup, comme il y a un match juste derrière, du coup, on peut pas. Voilà, tout simplement. On peut pas parce qu'il y a un match. Et du coup, je pense qu'on pourrait si on mettait plus tôt. Voilà. Voilà Toto! Toto Brico! Voilà, hop là, petit thé, hop là, Glingo! C'est vrai! Moi, ça m'excite trop là, quand j'ai des pains au chocolat, j'adore ça. Moi, tu me mets pain au chocolat, barbecue, ça y est, je t'épouse. J'adore ça, c'est trop stylé. Maintenant qu'on a ça, là, on peut aller à la salle, j'ai les clés, je peux aller ouvrir. Je suis en avance, tout bien parfait. Et puis voilà, on a le sifflet au pré-arbitré quoi. Let's go! Bon! Voilà, on a tout. Bon, ce soir, ouais. C'est pas un gros match, sinon ils auraient mis toutes les petites banderoles. C'est un petit match, mais petit match qui va pas être facile, je vous le dis. Bon, bref, là, faut que j'installe quoi, là. Je sors les ballons. Voilà, et ensuite, je vais faire une petite thé. Ouh, on peut mettre de la musique, ça, c'est stylé. Je vais faire 2-3 shoots comme les gamins. Ah non, faut que je libère ma cheville. Tu vois, c'est ça. Sinon, je me mets sur le petit panier, hop, je fais des dingues comme les gamins. 6, je joue ma 15. 262 RGRT, j'allume. Vestiaire 4, ouais. Ah, on me dit à l'oreillette qu'il y a encore... Ah, il y a encore Denis. Ah. Ça... Donc là, les gars, je mets l'élastique derrière. Je mets ça là, ici. Et là, je fais ça... Mobilité, ça me libère un peu la cheville, ça me fait du bien et j'espère parce que sinon on va être sur le banc, je te le dis. Ouais, ça c'est là. C'est bon les gars, prêt? Ça va? C'est prêt? Frérot, joue. Regardez, ouais, les... Oh les bras, t'as pris de la prod toi? Non, j'ai pas pris de prod. Ouais, ah oui. Tiens, voilà ça. Christmas, t'as pris rouge, ça. Voilà, Tonton, mais tu t'es sûr que tu joues ce soir, toi? Non, je joue pas. Ah ouais, c'est bon ça. Tu sors où? Hein? Tu sors... Ah, pour aller voir les exercices des enfants, là. Voilà, exactement. Ah, oui, pour le BPJ. Voilà. Ah, c'est là, d'accord. Et le Macumba, c'est quoi? C'est Macumba, la ville. Ça s'appelle le Macumba. Ah, le Macumba Club. Ça va? Le Macumba Club. Je suis le patron. Oh, il y a le patron. Là, vous pouvez pas le prendre à la pétanque. Ouh là là, j'enjambe. Oh là. Ouh, j'enjambe. Ça a brillé. J'ai tout préparé, j'ai préparé mon eau, j'ai bu tout ce qu'il fallait, mon alimentation, normalement c'est bon. J'ai fait mon petit goûter, hein. Voilà, j'ai fait mon petit goûter, là on se prépare, on y va, c'est pas le dernier match, mais c'est l'avant-dernier match à domicile. Les gars, faut tout tuer, faut se donner, cheville, pas cheville, faut y aller déterminé comme si c'était le dernier match de sa vie. Faut se faire plaisir avant tout. Et puis voilà, on n'oublie pas les choses à corriger, hein, qu'on avait tendance à prendre le ballon et puis à... Bon, ça, en début de saison, on savait que c'était un peu de garder le ballon et pas lâcher à l'opposé. Ça a été bien corrigé, donc ça, c'est cool, vraiment. Mais derrière, c'était plus le fait qu'après, de moins attaquer. J'attaquais pas
beaucoup, alors que c'est un élément que j'ai une force. Donc faut pas hésiter. Faut pas hésiter à y aller. Faut pas hésiter à driver. Je suis très très méchant sur mon drive. Faut en profiter. Je le sais. Il faut y aller. Voilà. Et la préparation mentale en joue beaucoup. Ouais, et on se demande bah, comment en faire. Parce que c'est vrai que t'as beau être le boss sur le terrain. Vous, à mon avis, si vous êtes le boss sur le terrain, vous avez des occasions de ouf. Et que mentalement, vous y êtes pas, bah, c'est compliqué. Donc moi, je me dis que bon, j'ai beau, en tout cas dans mon cas, bien attaquer. Si j'ai pas le mental, c'est nul. Donc le mental, ça va être voilà, d'attaquer, dunk. Voilà, c'est chercher ça parce que ça va chercher de l'agressivité. En tout cas, dans mon cas, chaque personne est différente, mais ça me permet d'être agressif au panier. Ne pas hésiter. Voilà, essayer d'aller voir 2-3 petits reverse, on va voir comment ça se passe aussi. Et puis voilà, match, let's go. On y va ensemble à la salle. Et puis, ah, tu vois, là, j'étais en train de parler, je me dis merde, j'ai oublié les écouteurs. Ballo babo! Allez, let's go! Bon, voilà, petite mobilité, les frérots. Ah, ça fait du bien. Sors un peu de hanche. Parce que là. Donc là, une préparation, les gars. On peut s'en servir ? Oui, vas-y. Pour 5 minutes. Après, c'est ses analyses d'urine. Voilà. Voilà. Voilà, donc là tu t'as fait un nouveau métier, Joe, du coup? Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, le chef de la COP, là, c'est comment? Oh là là, les gars, ça c'est nouveau. Nouvelle série. Fais-nous un petit. Aïe. Hey. Oh, le chef, il est chaud. Monsieur, il est chaud. Les gars, là, il paraît que ça va être le bordel. Voilà, chef d'orchestre, je vous montrerai dans la vidéo. Je vous montrerai. Ouais, il est pas mal. Hein. Là, il y a ça. Maintenant, s'il y a ça, là, il faut que ça fasse du bruit. Là, là nous, on veut du bruit. L'arceau, il est comme ça. L'arceau, il est comme ça. Ce soir, il doit être comme ça. Ça annonce du lourd. Dis pas trop. Ouais. C'est la surprise. C'est un bon match. Là, c'est un match, enfin, bon et mauvais, bah comme d'hab, tu sais. Mais sincèrement, je suis particulièrement bien content. Au niveau des shoots à 3 points, ça a bien aligné. Au niveau des dunks, ça a bien aligné. Au niveau des passes, ça a bien aligné. Et voilà, hein, ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup sans plus attendre. On va commencer le match, les gars. Puis sur play, là, entre deux, let's go. Ouais, en fait, là, il y a une petite erreur au début sur l'entre-deux. Là, il y a une attaque du 5 qui commence à ouvrir les points directement, ce qui fait 2-0, du coup, pour Dadol. Là, on attaque baseline. Il va ressortir le ballon avec... Bah, lui qui met son 3 points, mais derrière, tu verras que ça n'a pas été accepté pour je ne sais quelle raison. Donc du coup, on est toujours à 0, ils ont 4 en plus, donc ils mènent bien le truc. Là, je récupère le ballon, il est loin le temps qu'il arrive, je dégaine un shoot, on ouvre le score, nous. Voilà, avec un petit 3 points de Delta, donc ça fait plaisir. La grosse défense, il met une petite cacahuète pour avoir le ballon, donc gros job de Hugo. Ici, ça joue small ball, ça ressort quand même son ballon sur Joe qui met un magnifique 3 points. Donc là, c'est cool. On a le COP en plus, le COP de Poligny, vous avez vu. Donc ça a été monté il n'y a pas si longtemps. Donc ça, c'est cool. C'est le feu. Encore une cacahuète là de Hugo qui a été très présent en dessous. Là, on donne le ballon parce que j'ai pas pu jouer. Là,
Faute, pas faute, les gars, dites-moi en commentaire, on veut savoir. Shoot, rebond encore de Hugo. Voilà, il tape le ballon pour avoir le rebond, donc franchement, il était chaud. Là, on perd le ballon bêtement comme ça, donc c'est dommage. Donc voilà, mais derrière, ça engendre pas grand-chose. Ici, on a un shoot de Dejan, et puis Joe qui arrive à avoir ce ballon au rebond et rejoint. Donc je suis content pour lui, ça c'était cool. Il met derrière son lancer franc en plus de ça. Là, Ludo qui attaque, il essaye de donner derrière. Bon, ça va, il a eu la faute et autres. Voilà, là, il contient bien son joueur Hugo. Boum, je vais au panier, j'arrive à aller shooter dans ses bras. Donc heureusement que je suis pas retombé sur un pied derrière sur ça. Là, hop, Ludo qui attaque, il prend contact. Ouais, donc là, il n'y a pas faute, rien, c'est une bonne action. Là, ici, je demande le ballon pour essayer. Bon, on fait un peu la même time, donc j'essaye de l'avoir plutôt en haut. Là, il est loin, on attaque, on voit, on change de rythme. Du coup, ça me permet qu'il soit perdu. Et du coup, j'ai celui qui est en bas. Là, il y a tir, c'est dedans. Ici, on attaque fort, c'est pareil. Je sais plus ce qui se passe là. J'attaque, je relâche à l'opposé, je vois François tout seul. Il aurait pu avoir l'extra passe, mais il l'a mis. C'était très bien, il était prêt à tirer. Là, hop. Là, bon, va falloir prendre le rebond. Il n'y a pas eu sifflet faux. Donc, heureusement qu'on a un rebond. Ça tire, ça met pas dedans. Là, Samy reprend encore le rebond. Du coup, on la ressort. Ça joue entre eux. Là, il a le ballon, le meneur. Du coup, moi, je me dis, bon, on va ressortir vite. On ressort. Boum. Il refait un écran, mais non, du coup, il s'efface. On va essayer de tirer. Ça, j'ai jamais eu comme tir, mais ça aurait été beau. C'est mon premier tir comme ça, stylé. Ici, on n'arrive pas. Mais lui, il arrive, il met son panier, 2 points. Donc ça fait plaisir, plaisir de ouf. Ici, il attaque l'axe. Donc ça, c'est mieux d'attaquer l'axe. Hein. Vous avez plus de choix. Là, on attaque aussi également l'axe. Ça me laisse libre. On va chercher ce flotteur voilà, qui j'aime bien. J'aime bien, j'aime beaucoup. Là, shoot, on va chercher encore un rebond. On remet directement. Donc j'allais chercher ces petits rebonds-là. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. On en avait besoin en plus. Là, il joue, il arrive à bien enrouler avec son bras, ça peut être une astuce. Dites-nous en commentaire s'il y a faute ou pas, ça d'ailleurs. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Ici, bon, balle dans l'axe. Notre Kevin qui shoot, il met dedans, ça rentre, ça pardonne pas. Ici, contre-attaque. On va la chercher bien derrière, on va bien casser le panier, ça fait plaisir. Et puis en plus, il y a le cop qui est là, qui est chaud. Là, on reprend un ballon. Voilà, là, tu vois, regarde le cop, il est chaud. Ils sont chauds, ça fait plaisir, ça c'est méga, ça fait grave plaisir. Ici, donc là, hop, on la redonne à Joe, il arrive, il se fait massacrer comme ça et il arrive à avoir le N1, donc ça c'était cool, on est content pour lui. Donc voilà, rien de mieux que partager ça. Ici, shoot de notre Ludo qui met dedans, 3 points, cool, hein, parce que là, avec 39-37, hein, après la mi-temps, donc ouais, ils avaient un point d'avance, mais avec ce 3 points-là, ça nous remet bien. Là, vous avez vu ma défense. Ici, hop, il est loin. On va chercher une petite passe pour pas geler le ballon, même s'il est loin. On avait un shoot, mais voilà, faut faire vivre. Du coup, derrière, je retrouve ce ballon et j'ai un bon timing pour shooter. Hein, faites gaffe à votre timing qui peut vous favoriser un bon shoot, justement. Là, regarde, oula, tu dis, oula, les blessures. Oula, les blessures. Ça va, il n'y a pas de blessure. Tu dis, heureusement, c'est bien. Relevez-vous, les gars. Ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur avec tout ce qu'on a pu avoir. Là, il attaque, hop, il essaye de me jouer, hop, on arrive, on lui ferme l'axe, ça c'est le plus important pour pas qu'il ait 50 choix. Au pire, s'il va baseline, donc ligne de fond, on l'emmène sur notre grand, donc là, ça va être compliqué pour lui. Là, ouais, là, il y a eu, je sais plus ce qu'il y a eu, là, je prends le ballon, ici, il y a eu un, il va lui faire un écran, je le joue pas, je joue avec lui du coup, ça lui fait une création de tir et il met dedans, donc ça c'est bien joué avec leur relation avec mon intérieur, c'est important parce que ça on le retrouve pas souvent et pourtant quand on joue ensemble on est très fort sur ça. Là je prends le ballon, je saute, bam, une main, tu vois, je la prends, ça fait plaisir, ça fait plaisir, voilà. Là, c'est Ludo qui fait la contre-attaque. Bon, il n'y a pas le dunk, mais il y a le 2 points. Donc, c'est pareil. C'est, voilà, ça fait les mêmes points. Ici, je demande le ballon, mais il y a encore mieux à l'opposé sur un tir. C'est pas mis, mais c'est pas grave. Il retire derrière notre Serbe. Donc, Dejan, qui nous a bien aidé sur ça, sur des bons rebonds. Ici, donc, on essaye de construire quelque chose, sachant qu'il y a 52-43. On arrive à creuser quand même un petit écart, mais on n'est pas totalement non plus serein. Hein, vraiment. Donc là, tout le monde s'écarte bien. Là, je suis bien écarté. Ça me fait un bon tir. On met dedans encore un 3 points. Donc, ça, c'est cool. Voilà, c'est placé. Hein, je suis. Voilà, c'est pas forcé ni rien. Donc, voilà, ça, c'est bien. Là, on va chercher un flotteur. Mais il y a faute avant. Donc, elle sera annulée. Voilà, mais je l'ai mis quand même parce que c'était une bonne petite attaque. Là, je fais genre que je suis agressif. Puis, je suis vraiment agressif. Et on va chercher ce panier-là. Tomber me permet de ne pas me faire mal d'ailleurs, de ne pas prendre des vrais appuis. C'est pour ça que des fois, on tombe souvent au basket, si vous posez la question, ceux qui connaissent un peu moins. Là, il y a eu faute du coup sur lui. On redonne à ce gars-là, il fait son reverse. Il arrive à avoir la faute, donc très bien de Ludo. Ludo, bah, sur les lancers, ça rentre dedans, c'est mis. Ici, il donne la balle en bas. Notre François qui fait un gros job. Et ouais, François et bah,
et comment. Et puis Ludo qui ont fait des, vraiment un gros job. Là, je vais prendre la petite claquette comme ça, parce qu'elle n'était pas mise. Donc ça, c'est cool. On était présent pour notre Samy. Là, on ressort le ballon sur Samy encore. Il va tirer derrière et il arrive à le remettre, à retrouver cette confiance. Kevin qui est content, on le voit sur le banc. Là, il y a une grosse faute. C'est sifflé. On ramasse notre gars. Hein. Ok, donc voilà, il a fait un bon job. Ici, on essaie d'aller au rebond encore. Hein, on n'hésite pas. Là, c'est notre serve. Il prend un sérieux bon contact. Du coup, il y a faute. C'est bien que ça a été sifflé. Il met ses deux lancers, il me semble. Voilà, là, hop, il me donne le ballon. Je relâche à l'opposé. Je vois qu'il est tout seul. Il attaque l'axe. Vous avez vu, on attaque souvent l'axe. C'est pour ça que quand vous défendez, il faut essayer de fermer l'axe, justement. Ici, shoot de notre joke qui a été adroit à 3 points. Franchement, je crois qu'il en a pas loupé, quoi. S'il a tiré, c'était dedans. Donc, forcément, ça aide beaucoup. Là, j'arrive à avoir le ballon sur une contre-attaque. Boum, et on remet un dunk. Donc, je crois que je suis à 3 dunks, voire 4 dunks. Je sais pas si 4. Mais déjà, voilà. Donc, la fin du match, on est content. Voilà, c'est vraiment cool. Et puis, tout le monde a pu jouer. Donc, voilà. Là, c'est festif parce que je kiffe bien les gars. Le COP a mis beaucoup de trucs en œuvre pour avoir justement ces encouragements et autres. Et chose qui est très important quand tu joues au basket. Et ça, on kiffe. En tout cas, moi, je kiffe énormément de voir ça. Voilà, donc match gagné contre Dadol. Ça n'a pas été simple en première mi-temps parce que, bah voilà, on était dans le retranchement, on jouait plus personnel et on a été perdu sur notre attaque finalement. Et puis en défense un petit peu aussi. Donc voilà, la machine a pris route petit à petit où ça nous a laissé du coup nous prendre un écart en deuxième mi-temps, sachant que en attaque à mi-temps, eux ils avaient un point d'avance, mais on a réussi à créer cet écart-là en étant plus percutant en attaque, moins geler le ballon et autres, se faire plus confiance, rester espacé dans les spacing. Donc c'était beaucoup mieux pour ça. Donc ça c'est bien déjà. Et ensuite, bah, le job défensif qui était bien présent et bien fort, et sur ça on a assuré quoi. Donc ça c'est bien honnêtement. Du dunk les gars, là ça revient bien forcément. On bosse énormément pour ça, le programme on le lâche pas. Les douleurs au genou, dès qu'on en a un, bah, on fait l'autre programme, comme ça on parle plus de douleur. Et puis voilà, donc c'est très bien, il faut rester sérieux malgré que c'est bientôt la fin. Bientôt que c'est bientôt la fin, c'est là qu'il faut être encore plus sérieux, d'accord. Il faut pas lâcher jusqu'au moment où ça sera fini vraiment, voilà. Et il faut déjà attaquer la prochaine saison, hein. Autant dire, c'est pour ça que, enfin voilà, bref, je vous en dirai plus plus tard. Mais voilà, donc c'est bien. On va voir le classement, on va voir le classement où on en est. On voit directement que West Lyonnais a joué contre Salins et bah, du coup, bah, West Lyonnais a gagné contre Salins. Donc voilà, Cheneau va jouer contre Montmoreau, c'était très serré. Là, c'est bah, du coup Montmoreau qui l'emporte de 3 points et ce sont tout simplement les deuxièmes en Montmoreau et troisième Lyonnais. L'Ouest Lyonnais, et nous on est devant premier, mais tu vois, c'est serré quoi. Ça se joue pas beaucoup de matchs, sachant que là on va à l'extérieur semaine prochaine et on va donc à la Grêle. La Grêle, non, je crois que non, la Grêle on les a déjà joués. On va où nous le Coteau, non, je ne. Caluire, elle Caluire, ils sont 9e. Voilà, donc faut faire attention quand même parce que chez eux, bah, tu connais à chaque fois, hein, chez eux c'est machin. Donc la dernière fois on a bien perdu contre une équipe bas de tableau, donc à faire attention. Et puis après on joue contre le Coteau, donc le Coteau qui est avant-dernier. Ça c'est le dernier match à la maison. Voilà, donc s'il y en a qui veulent venir d'ailleurs, n'hésitez pas pour le dernier match. Et dites-moi si vous avez joué, combien de matchs il vous reste, parce que ça se trouve je parle comme ça, mais vous avez peut-être fini vos matchs et c'est important pour moi de le savoir pour voir un petit peu le contenu que je pourrais orienter sur YouTube par rapport à ta saison également. Donc n'oublie pas de liker, de t'abonner, ok, de rejoindre le serveur Discord. 3 dunks, 3 points et 30 points. Les gars, c'est la règle des 3, là, le 333. Donc là, les gars, ça fait plaisir. Voilà, belle réussite. Faut savoir être content quand il y a de la réussite. Maintenant, faut pas lâcher, faut travailler encore plus. Et travaille encore plus si tu veux des résultats. Hein, on ne se dort pas sur ses acquis. À la prochaine vidéo. Et j'espère que vous serez aussi chaud pour le prochain vlog. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Working on shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go
ahead and tempt me. Put it on the line and you'll come up empty. If I got time.